Oh, quelle époque, la Renaissance! C'est beau! Tous ces châteaux, la cour, Amboise, Chambord, tous les châteaux de la Loire. Oh là là! Qu'est-ce que tu dis, Jamy? T'es où, là? Ben, au XVIe siècle, la Renaissance. Ah, chez François Ier! Eh oui, eh, il y avait du beau monde, hein. Ouais. Regarde, Léonard de Vinci. Ah ouais, et lui, c'est le chevalier Bayard. Absolument. Rabelais, Triboulet. C'est qui ce Triboulet? Ben, c'est le fou de François Ier. Il avait un fou, François Ier. Tu sais quoi? J'irais bien passer une journée de fou chez François Ier. Je peux m'absenter 2 secondes? Oui, mais pas plus. Hein. D'accord. Bienvenue dans la vallée du fleuve le plus sauvage de France, la Loire. C'est ici que nous emmène cette nouvelle aventure. Au cœur de ces somptueux châteaux de la Renaissance, là même où s'épanouirent les rêves et la puissance de François Ier, qui régna sur le royaume de France pendant 32 ans, de 1515 à 1547. Nous voici donc au château d'Amboise. Le roi François est au pouvoir depuis 3 ans. Oh, elle m'étonnera toujours, cette zapette. Bon, est-ce que je suis au bon endroit, au moins? Ah, excusez-moi, madame. Je suis bien à la cour de François Ier. Le roi François! Tu y es, mon gars? Ce soir, il y a fête au château. Et vous êtes qui? Les saltimbanques, des artistes, quoi. Elle, c'est la délicate. Ah, c'est joli. Et pourquoi? Ben, elle tord l'acier. Tiens, détends-moi ça, mon gars. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Fred. Et que viens-tu faire au château? J'aimerais devenir apprenti fou. Fou? Bouffon, tu veux dire? Triboulet? Triboulet, c'est lui justement que j'aimerais rencontrer. Allez, viens nous donner un coup de main, tu vas bien finir par le croiser, ton Triboulet. Il fourre son nez partout. Je vous présente le maître des lieux, François Ier. Alors, je sais, comme ça, on a un peu de mal à le reconnaître. C'est vrai qu'habituellement, il porte la barbe. Seulement là, il est beaucoup plus jeune. En effet, nous sommes en 1518. À cette époque, François est encore un jeune premier, si j'ose dire. Il n'a que 24 ans et il n'est roi que depuis 3 ans. Il a déjà été papa 2 fois et un heureux événement se prépare, d'où l'effervescence au château. Que vous dire d'autre? Eh bien, qu'il a fière allure et qu'il ne passe pas inaperçu du haut de son 1m90, ce qui est très grand pour l'époque. Qu'il aime le grand air et qu'il s'accommode donc très bien de l'environnement dans lequel la cour s'est installée, la vallée de la Loire. Et pourquoi pas à Paris, Jamy? À cause de la guerre de 100 ans. À l'époque, la ville était tombée aux mains des Anglais et des Bourguignons, leurs alliés, et le roi avait dû fuir la capitale. Alors certes, en 1518, la guerre est terminée depuis belle lurette. Mais François Ier, comme ses prédécesseurs, se sent toujours plus en sécurité en province qu'à Paris. C'est en effet la guerre de 100 ans qui avait conduit les rois de France à se réfugier dans la vallée de la Loire. Durant de longues années, le royaume avait été la proie des attaques incessantes de l'armée anglaise qui pillait et ruinait les campagnes. L'Angleterre occupait la plus grande partie du pays. De nombreuses villes avaient été assiégées, soumettant la population française aux famines et aux grandes épidémies. La France était plongée dans une misère profonde. Le roi Charles VII, dont le pouvoir était réduit à néant, avait été contraint de se réfugier dans la vallée de la Loire. C'est pourquoi on l'appelait le petit roi de Bourges. En libérant la ville d'Orléans, Jeanne d'Arc allait redonner au roi et à son armée un nouvel élan pour combattre l'occupant et le renvoyer hors du royaume. En ce début de XVIe siècle, la France se porte plutôt bien. Elle sort de cette période que l'on appellera plus tard le Moyen-Âge. Les paysans ont du travail car la croissance démographique est importante et la cour royale a repris le goût des festivités, surtout avec François Ier qui aime la vie et ses plaisirs. Fêtes, chasse, musique et danse marquent le début de son règne au château d'Amboise. Bah dites donc, il y a de l'animation ici. Ce soir, il y a un banquet en l'honneur de la naissance du dauphin. C'est un grand jour alors?
Premier fils de François Ier, il s'appelle François. Il s'appelle François, lui aussi. La succession de la couronne est assurée. Ça se fête. On allume les fourneaux, qu'on fasse bouillir les marmites, qu'on n'ait plus Tiens, chaud. Le voilà ton triboulet. Allez, viens, je vais te le présenter. Oh, bah ça me ferait plaisir. Méfie-toi quand même, Fred. Ce triboulet, c'est un vrai fou. Oh, plume. Pourquoi on rit pas? Enchanté, monsieur Triboulet. Puis-je vous entretenir? Monsieur Triboulet, quand on lui parle, on commence par lui faire la révérence. Pardon. Monsieur Triboulet, pardon. Où tu sors, toi? Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Fred et je voudrais savoir comment on devient un fou du roi. Tu veux prendre ma place? Non, pas du tout. Je voudrais juste savoir comment se passe une journée de fou. Si tu m'aides, je vais t'expliquer. Qu'est-ce que je peux faire? Le roi m'a confié l'organisation de sa soirée. C'est le jour de ma vie. Je dois trouver ce qu'il y a de mieux pour les amuser. D'accord. Hein? Quelque chose qui soit à la hauteur de l'événement. D'accord. Qu'on s'en souvienne. Assieds-toi, on va commencer par casser la croûte. Triboulet n'est pas le premier fou de l'histoire. Ça fait longtemps que ce genre de personnage amuse la galerie, depuis l'Antiquité. Tenez, on trouve déjà un fou dans la mythologie grecque, un certain Momus, certes. Moins connu que Zeus ou Apollon, mais tout de même, Momus était le dieu de la critique et du sarcasme. Il était chargé de distraire sa divine compagnie. Les pharaons aussi avaient leur fou, et les empereurs romains également. Attila, le roi des Huns, qui n'avait pas la réputation d'être un bout en train, avait lui aussi son fou. Cela dit, un fou ne sert pas qu'à faire rire. Il a beau être difforme, il a l'esprit vif et le verbe facile. D'ailleurs, c'est un métier de fou. Mais un métier qui s'apprend dans des écoles. Un métier? Absolument. Car le fou doit avoir de l'esprit et de l'humour. Et à ce petit jeu, notre Triboulet fut un fou talentueux. En effet, sa complicité avec le roi, son sens de l'observation et de la répartie ont fait de lui, plus qu'un fou, un véritable conseiller politique. Allez, viens Fred. Où est-ce que tu m'emmènes, Triboulet? C'est pour le spectacle de ce soir. Je vais leur faire le plus beau numéro de ma carrière. J'aimerais bien voir ça. Allez, viens avec moi. Doucement. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Tu sors ça d'où? C'est moi qui l'ai fait. D'après les dessins d'Italiens. Regarde. Italien? Léonard de Vinci. Oh, Léonard, quel génie. Ah, il n'est pas en forme, ton génie, tu sais. Il a du mal à se servir de ses mains. Allez, fais-moi un coup de main. Tu peux quand même pas voler avec ça, Triboulet. Ben pourquoi pas? Bien sûr que si. Tiens, passe-moi la scie. Hé, au fait, tu sais que c'est en sciant que Léonard de Vinci... N'importe quoi. Ne l'écoute pas. Il est fou. Léonard est né dans la ville de Vinci, en Italie. Voilà pourquoi on dit Léonard de Vinci. Mais enfin, Triboulet, je te jure que tu ne peux pas voler avec ça. Mais pourquoi? Attends, je prends de l'élan, tu vas voir. Arrête! T'as pas mis la voilure! T'as pas de surface portante! Ouais, la surface, quoi? Oh non! Triboulet, y'a pas de mal? T'en parleras pas à François, hein? Promis. On va quand même lui dire deux mots à ce Léonard. Léonard, je peux t'accompagner? Allez, viens. Eh, doucement! C'est qu'il n'est pas tout jeune, Léonard. En 1518, il a 66 ans. Certes, ce n'est pas un âge canonique, mais tout de même, pour l'époque, c'est pas mal. En tout cas, ça explique la longue barbe blanche. Et puis, ce n'est pas la grande forme non plus. Il faut dire qu'il a pas mal roulé sa bosse. Parti de Vinci, il est allé à Florence, puis à Milan, où il a réalisé La Scène, cette fresque qui l'a rendu célèbre. Ensuite, il est allé à Rome. Bref, quand il arrive en France, en 1516, sa réputation n'est plus à faire, même si, de l'autre côté des Alpes, il est un petit peu passé de mode. En effet, les Italiens ne jurent plus que par Michel-Ange, vous savez, les plafonds de la chapelle Sixtine. Toujours est-il que François Ier devient son mécène, et en l'accueillant au Clos Lucé, le roi ne lui a donné qu'une seule consigne, « Fais ce que tu veux ». Leonardo ! Où es-tu ? Mais attends, hein, c'est pas si grave. Quoi? C'est pas parce que le roi lui a dit « Fais ce que tu veux » qu'il a le droit de faire n'importe quoi. Leonardo! Il va finir par me faire honte.
Buongiorno, Triboulette. Ça fonctionne pas bien. Mon pauvre Triboulette, tu auras sûrement oublié quelque chose. Oh, t'as vu ça, Fred? Il a volé un document. Je me demande bien ce qu'il va en faire. Ce tableau vous plaît? C'est Saint-Jean-Baptiste. Je le trouve assez bien réussi. Je le pense aussi. La peinture vous intéresse? Oh, un peu. La Joconde. Vous voulez pas vous en débarrasser par hasard? Oh, Mona Lisa. Tout le monde l'aime. Hélas, mon jeune ami, je crains fort qu'elle n'intéresse déjà le roi. Ça, je le comprends. Vous vous intéressez à la mécanique aussi? Ah. C'est quoi ça? Ça, c'est une machina volante. Une machine volante? Si. Elle visse l'air et permet de s'élever. Ça ne vous intéresserait pas, vous? Quoi donc? Ah, de tutoyer les oiseaux, les étoiles, de vous déplacer très vite, en toute liberté sur Terre, ou bien de descendre là où fraient les truites et où les hommes ne peuvent plus respirer, sous l'eau. Je vous surprends sans doute, mais vous verrez que tout cela n'est pas qu'un rêve. Oh, ça je veux bien vous croire, monsieur Léonard. Quel visionnaire, ce Léonard! Lorsque François Ier l'invite à s'installer en France, il lui donne le titre de premier peintre, ingénieur et architecte du roi. Il lui alloue une confortable pension en écus d'or. Il lui offre aussi le manoir du Clou, appelé aujourd'hui le Clos Lucet, une élégante demeure située à deux pas du château d'Amboise. On dit qu'un souterrain secret reliait le château au manoir, mais il ne s'agit peut-être que d'une légende. Toujours est-il que François Ier lui rend souvent visite. Il est fasciné par ses recherches, qui explorent tous les domaines de la science, de l'anatomie à la mécanique, en passant par l'astronomie, l'architecture et l'hydraulique. Des travaux qui semblent avoir des siècles d'avance sur leur temps. Dites-moi, monsieur Léonard, je connais bien ce dessin. C'est de vous aussi ? Ah, c'est une étude sur les proportions idéales du corps humain. D'accord. Et ce croquis, c'est quoi? Le cerveau. C'est comme ça que vous représentez le cerveau? Ah, le cerveau, encore un des grands mystères de la vie. Regardez. Vous avez trois lobes principaux. Le premier reçoit les sensations. Oui. Dans le second se forment les images, la réflexion, la raison. Et le troisième contient la mémoire mémorative. Vous en êtes bien sûr? Ah, ouais. Entrez. Votre cœur, maître. Je vais vous laisser. Je vois que vous passez à table. Non. Simple nourriture de l'esprit. Mais c'est un cœur. Si. Voyez-vous, en raison de mon grand âge, sans doute, je m'intéresse au fonctionnement de cet organe mysterioso et troublant. Qu'est-ce que la vie? Et qui sommes-nous? Et comment sommes-nous faits? Hein? Mais dites-moi, ce n'est pas un cœur humain? Non, des bœufs. Ah bon, m'assurer. Bon, eh bien, je vais vous laisser travailler. D'ailleurs, j'ai un train à prendre. En fait, Léonard de Vinci ne pratique pas la médecine. En revanche, comme nombre de ses contemporains, il s'intéresse au fonctionnement de la machine humaine. Par ailleurs, en tant que peintre, il s'intéresse de très près au mouvement et par conséquent à la disposition des muscles dans notre organisme. D'accord, mais pourquoi il utilise un cœur de bœuf? Eh bien, parce que Léonard prend ce qu'il a sous la main. Attention, contrairement à une idée reçue, l'Église n'interdit pas les dissections de cadavres humains. En revanche, elle les limite. Du coup, il y a pénurie. Tenez, Rabelais, ça vous dit quelque chose? Rabelais est l'auteur de Gargantua. Eh bien, il était aussi médecin. Dans ses écrits, il raconte que face à cette pénurie, il fallait parfois profaner des tombes pour se procurer des corps.
chose, hein. Qu'on trouve quelque chose. Ouais, mais tu vas finir par te faire mal. Ah bah oui, mais il faut qu'on trouve quelque chose. Ah, parce que regarde. Alors, Triboulet, les festivités se préparent. Tu sais que j'attends de toi le meilleur ce soir. N'ayez aucune inquiétude, cousin. Allez donc musarder, jouer à la guéguerre avec vos amis. Je m'occupe de tout. Comment oses-tu me parler ainsi? Qu'on s'empare de lui! Non, 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 mon bon roi, pitié, pitié, malheureux emporté. Pitié, mon bon roi, pitié, mon bon roi. Mais c'était une farce, Triboulet. Ça fait peur, non? Oh ben, j'ai pas l'habitude, cousin. Alors, ne crains rien, Triboulet. Si quelqu'un osait porter la main sur toi, je le ferais pendre dans le quart d'heure qui suit. Ah, cousin, ne pourriez-vous pas, je vous prie, le faire pendre un quart d'heure avant qu'il ne m'étripe? Toujours le dernier mot, Triboulet. Allons jouer à la guéguerre et musarder. Non mais, on a eu chaud. T'as vu comment tu lui parles aussi? Elle joue à la guéguerre, musardée. Il adore ça. Depuis tout petit, il aime jouer à la guéguerre. C'est qu'il est téméraire, le cousin. Ouais, puis en plus, tu l'appelles cousin. Bah oui, non mais ça, c'est une histoire de famille, je t'expliquerai. Allez, allons-y. Et quelle histoire de famille? Si Triboulet s'amuse à appeler le roi mon cousin, ce n'est pas parce qu'il a un lien de parenté avec lui, loin de là. C'est pour une autre raison. Je vous explique. Louis XII, le prédécesseur de François Ier, avait toutes les peines du monde à avoir des enfants, et ce, malgré ses différents mariages. Craignant de ne pas avoir d'héritier et de laisser la couronne vacante après sa mort, il décide d'accueillir au château d'Amboise son jeune cousin, François d'Angoulême, à qui il va donner une éducation digne d'un futur roi. Eh bien, c'est à cette époque que Triboulet prend l'habitude de l'appeler « mon cousin » pour faire comme le roi. En effet, le fou exerce déjà ses talents auprès de Louis XII. En 1515, ce dernier meurt, sans héritier direct, comme prévu. Du coup, la couronne atterrit sur la tête de François d'Angoulême, qui devient roi à l'âge de 21 ans, et que Triboulet va continuer à appeler « mon cousin ». Oh non, pas lui! C'est quoi ça? C'est qui? C'est Pierre, le preux chevalier sans beurre et sans sacoche. Bayard! Le chevalier sans peur et sans reproche. Lui-même. Depuis Marignan, il se la joue, ça fait bientôt 3 ans. Hola, Tabouret! Mais où sont-ils donc tous passés? Le roi, François et toute la troupe? Ils sont allés musarder, jouer à la guéguerre! Je te laisse, je suis sûr qu'il va te raconter Marignan. Tu crois? Je suis passé par là, j'ai vu de la lumière. Monsieur Bayard, quelle surprise de vous découvrir en fer et en os. Vous savez que vous êtes un héros? Un admirateur, ce que je vois. Viens, on va t'asseoir là. Bayard. C'est le héros de Marignan, Fred. Profites-en pour lui demander de te raconter cette célèbre bataille de l'histoire de France. Tu vas sans doute me demander de te narrer mes exploits. Comment nous avons repris le duché de Milan? Marignan, 1515. Voilà, c'est ça. Imagine, on est en septembre. 1515. Non. Non, en août 1515. D'abord, on passe les monts. Tu penses bien. Les Suisses, ils nous attendent pas par là, il y a point de chemin. Comment ça, les Suisses? Marignan, c'est en Italie. Oui, mais les Suisses étaient alliés aux Milanais. Ah, d'accord. Alors, comment vous avez fait s'il y avait point de chemin? Eh bien, on avançait et au fur et à mesure, on construisait le chemin. Et quand c'était pas possible, on démontait les canons pour les passer de précipice en précipice avec des cordages. 72 canons. Tu imagines? Quelle audace! C'est palpitant! Et après? Après, on passe les Alpes. Et là, on arrive sur Villafranca. Je surprends Prosper Colonna, le bras droit du duc de Milan. Oh là, ça a dû chauffer. Mais non, il avait encore la bouche pleine. Il déjeunait. Je l'ai fait prisonnier, c'est tout. Alors c'est ça, Marignan? Attends, c'est pas fini. Je te raconte la suite. Après avoir franchi les Alpes avec une armée de 50 000 soldats, François Ier et son ami Bayard s'approchent de Milan. Mais là, dans la plaine de Marignan, une armée de mercenaires suisses les attend de pied ferme. Attention, les Suisses sont réputés invincibles dans toute l'Europe. François Ier semble s'en moquer. À la tête de sa cavalerie, il n'hésite pas à lancer l'assaut.
Il est appuyé, heureusement, par son artillerie et ses fameux 72 canons. Au terme d'une bataille qui fera plus de 15 000 morts, les Suisses vont finir par abandonner le terrain. Le 14 septembre 1515, c'est gagné. François Ier, qui est alors tout jeune roi de France, reprend le duché de Milan. Mais alors, me direz-vous, pourquoi est-il allé se battre en Italie? Eh bien, tout simplement parce que Louis XII, son prédécesseur, prétendait être l'héritier, par sa grand-mère, du duché de Milan. François Ier a donc voulu faire revenir l'héritage dans le royaume de France. Après Charles VIII et Louis XII, les campagnes d'Italie vont donner à François Ier l'occasion de découvrir l'esprit et l'art de la Renaissance. Car c'est en Italie, et en particulier ici à Florence, que vont s'épanouir dès le XVe siècle ce nouveau courant de pensée humaniste et cette révolution artistique qui reprend les thèmes de l'Antiquité gréco-romaine. C'est pour cela qu'on appellera cette période la Renaissance. Au début du XVe siècle, le pouvoir de la ville n'appartient plus à la noblesse. Il est aux mains de riches marchands, de financiers et de grandes familles comme celle des Médicis. Tout ce monde rivalise pour produire ce qu'il y a de plus beau et exprimer sa puissance. L'artiste devient alors une personne recherchée par les mécènes. Cette prospérité est une aubaine pour les architectes, les peintres, les sculpteurs. Ils vont pouvoir exprimer librement leur créativité dans des ateliers où on pratique les arts, mais où on parle aussi de tout, de littérature, de musique, de philosophie. Brunelleschi, Botticelli, Raphaël, Michel-Ange, Léonard de Vinci. Tous ces artistes et bien d'autres font leur début à Florence. C'est ainsi que la Renaissance trouve ses racines en Italie, bien avant de séduire les rois de France. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Il est vraiment fou, ce Triboulet. Oh bah t'étais où? Je t'ai cherché partout. Non mais c'est ça ton cheval? Ah bah t'es pas au courant. Oh, tout doux, bijou. Oh, l'autre, je l'ai vendu au marché pour acheter du foin. Ah ouais? Et le foin, je l'ai vendu pour acheter une cravache. Elle est belle, non? Non mais n'importe quoi. Allez, assez discuté. Il faut absolument trouver une surprise pour ce soir. Suis-moi. Eh hey, mais attends, ouais. On va où? Au jeu d'armes. Ça nous donnera peut-être une idée. Allez, on selle. Yeah. Bon bah, tagada. Je voudrais acheter un cheval, Fred. Tu vas fatiguer. Comment tu crois? Au fait, t'as rien à te faire pardonner? Pas spécialement, pourquoi? Parce que c'est le moment, regarde. Pour 87 livres, tu peux te faire pardonner d'un adultère. Et pour 15 livres seulement, d'un meurtre ou d'un viol. Même si le péché n'a pas encore été commis, en prévision simplement. C'est une blague. Non, si tu es généreux avec le pape, tu peux tuer, violer, escroquer et tu gardes ta place au paradis. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Triboulet? C'est les indulgences du pape Léon X, tu connais pas? Mais où? Il n'y a rien trouvé de mieux pour enflouer ses caisses. Eh ouais, mais il faut trouver de l'argent pour entretenir tous ces curés, pour construire toutes ces églises. Enfin, quand je te dis curé, je te parle pas de leur vie de débauché. Bon, allez, on a encore du boulot. En selle, Fred. C'est incroyable cette histoire, et ça choque personne. Bien sûr que si, ça gêne du monde, et en particulier un certain Martin Luther, un moine allemand. Exaspéré, il couche sa colère sur le papier et fait afficher le texte aux portes des églises. Le propos séduit. Et bientôt, c'est toute l'Europe qui se pose des questions. Martin Luther n'enrage pas seulement contre les indulgences, qui au passage ont permis de financer la construction de Saint-Pierre de Rome. Il n'accepte pas non plus, par exemple, que certains papes aient des enfants. Au final, cette histoire va aboutir à la division de l'Église chrétienne. D'un côté les catholiques, de l'autre les protestants. Et les adeptes du protestantisme se font de plus en plus nombreux en France, comme en Europe. François Ier est hésitant. Il cherche l'apaisement car il craint pour l'unité du royaume, mais il prend parti à plusieurs reprises pour les catholiques. Nous sommes à la veille des guerres de religion qui éclatent en 1562 sous le règne de Catherine de Médicis. Tout commence lorsque des catholiques brûlent des protestants qui célèbrent leur culte dans une grange. Ensuite, c'est l'escalade. Les guerres civiles se succèdent. Le massacre le plus sanglant a lieu le 24 août 1572. Les protestants sont traqués et assassinés à Paris. C'est la nuit de la Saint-Barthélemy, une véritable rafle meurtrière qui fera plus de 2000 morts.
Mais le cauchemar ne s'arrête pas là. Après Paris, la chasse aux huguenots s'étend dans une vingtaine de villes en France. Elle aurait fait plus de 10 000 morts. Il faudra attendre l'arrivée d'Henri IV sur le trône pour mettre un terme provisoire à ces 40 années de guerre. En promulguant l'édit de Nantes, il autorise la liberté de culte aux protestants et instaure la tolérance entre les religions. Allez, après, viens. Oh, c'est joli, hein, on dirait une kermesse. C'est une vraie foire aux armes. T'as vu ça? Ils avaient déjà des fusils à l'époque. Ce ne sont pas des fusils, Fred. Ce sont des arquebuses. Arquebuses? Ça ne tire qu'à une cinquantaine de mètres, mais pour l'époque, c'était pas mal. Ça doit changer la manière de faire la guerre, hein? Tu t'intéresses aux armes? Monsieur Bayard! Regarde ça, tu crois pas que ça va changer nos habitudes? C'est du fer, mon ami. Finis le boulet en pierre. Avec ça, rien ne résiste. On m'attend. François! Messire! Ah, l'artillerie. Ça va faire du bruit. Avec tous ces canons et ces boulets en fer qui, d'un seul coup, peuvent briser les assauts de la cavalerie et des fantassins. Tenez, nous n'y sommes pas encore, mais François Ier lui-même va en faire les frais à la bataille de Pavie. Que s'est-il passé exactement? Souvenez-vous, en 1515, la France récupère le duché de Milan à la bataille de Marignan. Mais elle le perd à nouveau quelques temps plus tard, suite à une sombre histoire de trahison. En 1525, François Ier est bien décidé à récupérer ce territoire. Il pénètre sans difficulté dans Milan. Il aurait pu s'arrêter là, mais non, il continue jusqu'à Pavie qu'il assiège. Et là, qu'est-ce qui lui prend? Contre l'avis de ses généraux, il décide de lancer sa cavalerie à l'assaut de la ville assiégée. Une idée sans doute de ses vieux compagnons d'armes pour faire la guerre à belle enseigne découverte, comme il disait. Tu parles. Sa cavalerie étant coincée entre l'ennemi et sa propre artillerie, eh bien, ses canons ne peuvent pas tirer. Eh bien, voilà comment François Ier va perdre 10 000 hommes et la bataille de Pavie, au cours de laquelle il sera également fait prisonnier par Charles Quint, son grand rival. Eh oui, cette bataille marque un tournant décisif dans le règne de François Ier. Ce 24 février 1525, lorsqu'il se lance à l'assaut de la ville de Pavie à la tête de ses 26 000 chevaliers et soldats, il est loin d'imaginer qu'il est sur le point de subir sa plus grande défaite et sa plus grande humiliation. 16 000 de ses hommes seulement ressortiront vivants de ce corps à corps. Certes, le roi de France, lui, a la vie sauve, mais il est fait prisonnier et emmené à Madrid. Son sort est désormais entre les mains de son plus grand ennemi, Charles Quint, qui règne en maître sur l'Espagne et une grande partie de l'Europe. Pendant sa captivité, c'est sa mère, Louise de Savoie, qui assure la régence du royaume. Les pourparlers s'engagent entre les deux cours royales. Charles Quint est exigeant. Il réclame la restitution de la Bourgogne et le mariage du roi de France avec sa sœur, Éléonore d'Autriche. François Ier accepte ce mariage stratégique. En revanche, il n'a nullement l'intention de rendre la Bourgogne. Pourtant, il signe le traité afin d'être libéré et en gage de l'exécution de ce traité, il accepte de livrer en otage ses deux fils âgés de 7 et 8 ans qui resteront prisonniers en Espagne pendant 4 ans. L'affaire se dénoue finalement en 1529. La France cède la Flandre et l'Artois à Charles Quint, mais conserve la Bourgogne. Triboulet, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai une idée pour ce soir. C'est quoi? Imagine l'émotion que ça a provoqué. Tu prends une courtisane ou un courtisan, par exemple toi. Tu mets une pomme sur la tête, tu fais quelques pas, et d'une flèche, tu fends la pomme en deux. Ça devrait faire de l'effet, ça, non? Hop. Triboulet, tu sais au moins tirer avec un arc? Mais bien sûr. Tu m'as vu? Triboulet! Décidément, je m'en sortirai jamais! Cette fois-ci, je sors ma dernière carte. Allez, viens m'aider. Qu'est-ce qu'il a encore imaginé? Fais attention, Fred. Cette fois, je crains le pire. Ça m'étonnerait qu'avec ça, je les épate pas. Mais c'est quoi cet engin? C'est une machine de guerre. Tu veux dire un char d'assaut? T'as trouvé ça où? Sur un plan que j'ai chipé à Léonard.
Encore ? T'es sûr qu'il va tenir jusqu'au château, ton char ? Évidemment, c'est prévu pour les champs de bataille. Gardez ! En attendant, on va pas faire une arrivée discrète, hein, pour une surprise. Attends, on va jeter un coup d'œil à l'extérieur. Wow ! Bayard ! Oh non ! Fermez les portes ! Oh, décidément, les plans de Léonard, ça marche jamais. Je t'avais prévenu, Fred, que tu ne m'écoutes jamais. Alors effectivement, Léonard de Vinci a aussi imaginé bien avant l'heure d'incroyables machines de guerre. Des pièces d'artillerie, des canons et même l'ancêtre du char d'assaut dont Fred vient d'expérimenter la résistance. Certes, il était en bois. Mais il y avait de l'idée. Ce char devait pouvoir abriter 8 soldats. Pendant que certains d'entre eux faisaient tourner les roues pour avancer, les autres observaient l'ennemi par des ouvertures et tiraient avec des canons placés autour de la tourelle. En fait, l'engin ne sera jamais utilisé. Il est resté à l'état de projet. Mais quelle imagination pour une époque où les soldats combattaient encore à cheval. Bien, on va rentrer par derrière, j'ai trouvé. Eh ben, t'en fais pas, Triboulet, on va finir par la trouver, cette idée. Bon, je vais vous aider, les gars. Regardez un peu autour de vous, tous ces artisans et ces artistes. N'oubliez pas que François Ier a rapporté de ses campagnes d'Italie son amour pour les arts et pour les beaux ouvrages dont il s'inspire pour rénover ses châteaux. Pendant les 3 premières années de son règne, il va faire briller Amboise de tous ses éclats. Les meilleurs tailleurs de pierre vont transformer les façades. Sculpter le tuffeau avec des motifs à l'italienne pour effacer les traces du Moyen-Âge et revenir à cette architecture élégante, raffinée, qui rappelle celle de la Grèce antique. Alors, offrez-lui un château. Je suis sûr qu'il en rêve déjà. Triboulet, c'est quoi ce petit monstre ? C'est pas un monstre, c'est une salamandre. C'est l'emblème de mon bon roi, mon François. Moi, j'oserais plus jamais le regarder dans les yeux. C'est vrai que c'est quand même du beau travail. Hein. C'est vrai, à la Renaissance, on change de décor. Fini, le rustique château fort aux murs épais perché sur une colline. Ce n'est pas une question d'esthétique, c'est parce que ce type de construction ne sert plus à rien. D'abord, parce qu'on ne se bat plus à l'intérieur du royaume, le pays est désormais pacifié. Ensuite, parce que la hauteur et l'épaisseur des murs ne résistent plus aux boulets de canon. Pour toutes ces raisons, faute de protéger, les châteaux vont devenir élégants. Désormais, l'ouvrage est ouvert sur l'extérieur. Les meurtrières d'antan sont remplacées par des fenêtres à meneaux, de larges ouvertures constituées d'une croisée de pierre, très caractéristique de cette période. Un mot sur la déco également. On rajoute des piliers un peu partout, des moulures et des niches entre les niveaux. Bref, tout est fait pour le plaisir des yeux. Dans le Val-de-Loire, de nombreux châteaux vont se métamorphoser en s'inspirant de cette mode Renaissance. À Blois, la résidence de Louis XII, François Ier va laisser ses empreintes sur les nouvelles façades. Des salamandres, mais surtout un escalier monumental extérieur qui s'élève en lieu et place des anciens donjons. L'art italien inspire aussi des proches de la cour royale, comme Gilles Berthelot, le trésorier de François Ier, qui fit bâtir sur les fondations d'une forteresse médiévale le château d'Azay-le-Rideau. Chenonceau, à Califourchon-sur-le-Cher, fut construit à partir de 1515 par le secrétaire des finances de François Ier, Thomas Boyer. Il fut ensuite la propriété de Diane de Poitiers, puis de Catherine de Médicis, qui y donna les plus belles fêtes du royaume. C'est elle qui donna la touche finale à cette galerie qui surplombe la rivière. On l'appelle aujourd'hui le Château des Dames. Villandry encore fut le dernier des grands châteaux de la Loire, bâti à la Renaissance par un ministre des Finances de François Ier, un dénommé Jean le Breton. Il fut ambassadeur de France en Italie et eut tout le loisir d'étudier l'art de ses jardins à l'italienne. Ah oui. Revenons à Amboise où la fête en l'honneur du dauphin de François Ier est sur le point de commencer. Évidemment que ça me fait penser à un son et lumière.
Un quoi? Non, non, rien. En tout cas, c'est une surprise, comme... Comment tu dis? À la hauteur de l'événement. Oui, enfin, c'est encore une idée de Léonard de Vinci, les feux d'artifice. Tu sais, c'est lui qui avait en charge l'organisation des grandes soirées de la cour. Dis donc, y a toute la cour qui est en train d'arriver, là. Je sais pas trop comment me tenir, moi. J'ai un peu le trac. Tu tiens normalement, comme d'habitude, y a pas de problème. Moi, je lance les opérations. 3, 4. Si c'est bien ma veine, Majesté, en un si beau jour, être humilié de la sorte. Oh, mais qu'est-ce qu'une flèche dans la fesse, chevalier? Vous en avez connu d'autres sur les champs de bataille. Certes, messire. Mais ce n'est pas vous qui êtes assis dessus. Ben, chevalier, vous auriez dû enlever votre armure. Ici, vous ne craignez rien. Ah, ça, c'est pas sûr. Messire, mais il n'est donc pas mort, celui-là? Comment donc le supportez-vous? Mon ami, figurez-vous que l'autre jour, n'en pouvant plus de supporter son arrogance, je le condamne à mort. Ah, ça, bonne idée. Ben, oui et non. Pensez que par affection, je lui laisse le choix de la mort. Très bonne idée. Il a dit, mon bon sire, par Sainte Nitouche et Saint Pansard, patron de la folie, je demande à mourir de vieillesse. Que puis-je répondre à cela? Mon bon seigneur, je crois que vous tenez là un fou de la meilleure espèce. En tout cas, t'as vu ça, Jamy? On s'amuse bien à la cour de François Ier. Il y a des musiciens, des saltimbanques, quelle réception! Ah, on peut dire qu'il sait bien recevoir le roi. En effet, François Ier aimait émerveiller ses sujets. On peut même dire qu'il avait la folie des grandeurs. Tu en veux la preuve, Fred? Zappe-toi en 1534. 1534? C'est parti, Jamy. Mais c'est Chambord! Vous auriez pu me faire arriver ailleurs que sur le toit. J'ai l'air d'un cambrioleur. Oula, c'est drôlement haut. Y'a un trou sur le toit! À la garde, à la garde! Qu'est-ce que je disais? Ça commence mal. Allez, détends-toi. Tu es sur l'un des joyaux de la Renaissance. Chambord, mon ami, la gloire de François Ier. Le château dont il rêvait pour affirmer son pouvoir et éblouir les cours d'Europe. C'est le plus grand château de la Renaissance. Les travaux commencent en 1519 et durent plus de 30 ans. Ils ne seront d'ailleurs vraiment achevés qu'un siècle et demi plus tard, sous le règne de Louis XIV. Situé en pleine forêt, François Ier y séjournera en tout et pour tout 42 jours pour se livrer à son loisir préféré, la chasse. Chambord est le château de tous les records. Sa taille est gigantesque pour l'époque. Il compte 440 pièces. 365 fenêtres, 13 escaliers et un mur d'enceinte de 30 km. Et combien de cheminées? 282, enfin je crois. Ah, merci, tu me donnes une idée. J'attends un petit peu plus d'insolence et d'irrespect, sinon tu ne seras jamais un bon fou. Mais monsieur, que signifie cette intrusion dans ma classe? Mille excuses, j'ai glissé sur le toit. Mais vous allez peut-être pouvoir m'en renseigner. Est-ce qu'il y a un certain Triboulet ici? Mais jeune homme, il se repose. C'est la pause. C'est épuisant de donner des cours debout. Vous me rassurez, il est vivant alors? Ah, ça pourrait être vivant, il est vivant. Mais dites-moi, vous êtes une folle vous aussi? Oui, mais ça ne se voit pas. Ah mais j'ignorais qu'il y avait des folles. Vous êtes folle de qui? De la sœur du roi, Marguerite. C'est pour moi un grand honneur, une excellente condition. Je suis une femme libre. Allons, les enfants, le cours est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez aller faire les petits fous dehors. Allez, allez, allez. Je crois que tu es tombé, si j'ose dire, dans une école de fous. Vous disiez une femme libre. Ça veut dire que les autres ne le sont pas? Je voulais dire que beaucoup ne le sont pas. Dès votre plus jeune âge, vous êtes promise à un homme que généralement vous n'aimez pas. Et lorsque vous êtes mariée, vous êtes soumise à chaque instant. Oh, c'est vrai que c'est pas très drôle. Ah non, il faut attendre d'être veuve pour retrouver sa liberté. Alors c'est ça la condition de la femme à votre époque? Enfin, je veux dire à notre époque. Venez, je vais vous guider jusqu'à Triboulet. Avec grand plaisir. Eh oui, Fred, c'est ainsi. Encore que, dans l'entourage de François Ier, les femmes sont plutôt choyées. Une cour sans dames, disait-il, c'est un jardin sans belles fleurs.
Et il a ses favorites, enfin, ses maîtresses. Françoise de Chateaubriand d'abord, avec qui il entretient une liaison pendant 10 ans. Puis Anne de Pisseleu, qui plus qu'une maîtresse, deviendra une conseillère. Ces liaisons amoureuses n'empêchent pas le roi de se marier 2 fois. Sa première femme s'appelle Claude de France. Il l'épouse en 1514 et avec elle, il aura 7 enfants en moins de 10 ans. 7 grossesses qui finiront par épuiser la pauvre Claude, qui mourra à l'âge de 24 ans seulement. Sa seconde femme s'appelle Éléonore. C'est la sœur de Charles Quint. Un personnage très important à l'époque. Il règne sur l'Espagne et sur ce qui correspond aujourd'hui à l'Autriche, l'Allemagne et les Pays-Bas. Il s'agit en fait d'un mariage de raison censé garantir la paix en Europe. Mais François Ier ne manifestera jamais beaucoup de sentiments pour Éléonore. Bref, vous l'aurez compris, côté cœur, François Ier était, comment dire, comme les châteaux de la Renaissance, ouverts sur l'extérieur. Oh, les gars! Entrez ici! Attendez-moi, je reviendrai vous chercher. Qu'est-ce que c'est que ça? Des flèches? On dirait une carte du Canada. C'est une lance d'Indien, ça. Mais je suis où? Tu crois qu'il est rentré ici, chez les Iroquois? Mais si ces sauvages mettent la main dessus, je donne pas cher de sa peau. Ils vont le manger tout cru. Et si c'était un espion au service de la couronne du Portugal? Un espion pour faire échouer les projets de monsieur Cartier en Nouvelle-France. Cartier, Nouvelle-France, Iroquois, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Jacques Cartier. T'as oublié, Fred? En 1534, Jacques Cartier vient tout juste de découvrir la Nouvelle-France. Enfin, le Canada, si tu préfères. Et c'est François Ier qui finance ses expéditions. Lors de son premier voyage, après seulement 20 jours de traversée, Jacques Cartier atteint Terre-Neuve et explore le golfe du Saint-Laurent. Là, il fait connaissance avec le peuple iroquois. La rencontre est pacifique et plutôt amicale. Le chef des Iroquois, Donnacona, accepte même de laisser ses 2 fils partir en France. Jacques Cartier ramène ainsi à son roi les preuves vivantes de sa découverte. Les 2 Iroquois passent 1 an à la cour de François Ier avant d'être ramenés lors d'un second voyage. Pour cette nouvelle expédition, Jacques Cartier a reçu du roi une double mission. Trouver un nouveau passage qui permettrait de se rendre plus vite en Asie. Et surtout, rapporter des richesses, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses pour enrichir les caisses du royaume. Jacques Cartier et ses hommes explorent le Saint-Laurent jusqu'à Hochelaga, l'actuel Montréal. Mais ce second voyage, comme le troisième, n'aboutiront à rien. Jacques Cartier rentre bredouille à Saint-Malo et le roi, déçu, cesse de financer ses explorations. Mais grâce à François Ier et à Jacques Cartier, la France conquiert ainsi un petit bout du Nouveau Monde, jusqu'alors réservé aux Espagnols et aux Portugais. Pas facile à l'époque de récupérer un petit bout de Nouveau Monde, surtout quand on est français. En effet, les Espagnols et les Portugais ont le monopole, pas parce qu'ils ont de bons bateaux, mais parce que le pape en a décidé ainsi. Oui, le pape a décidé que toutes les terres situées à l'ouest de cette ligne reviendraient aux Espagnols, à l'exception du Brésil, et toutes celles situées à l'est de cette ligne reviendraient aux Portugais. Un arrangement en fait destiné à éviter que ces 2 puissances ne se fassent la guerre. L'affaire a été réglée en 1494 au traité de Tordesillas. Et les Français dans tout ça? Eh bien, les Français, mais aussi les Anglais, les Hollandais, n'apprécient pas beaucoup cette mesure. D'ailleurs, François Ier va monter au créneau. Il déclare, je cite, « Le soleil brille pour moi comme pour les autres et je voudrais bien voir la clause du testament d'Adam qui m'exclut du partage du monde. » Et toc, évidemment, le pape ne pourra jamais produire ce document et les Français pourront partir à l'assaut des mers. « Faut vous sortir, ils sont partis! Ils m'ont même pas vu !» Oh, Fred, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça me fait plaisir de te voir. Oh. Bouge pas, j'arrive! Oh, Tribouleur!
Je comprends pas. On l'a pas croisé. Ah bah oui, on l'a pas croisé. Triboulet, t'as changé de place? Non, j'ai pas bougé. Voilà, attends, j'ai une idée. Nous, on descend et toi, tu montes. Oui, c'est ça. Nous, on descend et toi, tu montes. Mon ami Fred, il se moque de toi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un escalier de fou. Non. C'est un escalier très ingénieux dont l'idée reviendrait une fois encore à Léonard de Vinci. Regarde, il est composé de deux escaliers superposés, emboîtés l'un dans l'autre. On peut donc monter et descendre sans jamais se croiser. Et ça peut durer longtemps, Fred. Quelle idée, cet escalier! Je suis sûr qu'ils se sont payés ma tête. Oh, Fred, ça fait plaisir de te voir! Triboulet! Dis donc, mais t'as un secret, t'as pas changé d'un poil! Et vous connaissez depuis longtemps? Ah oui, oh. Ça fait longtemps, oui. Depuis la naissance du petit François. Ça vous ennuie si on poursuit la conversation à l'extérieur? Il joue à cache-cache avec deux gardes. C'est très, très drôle. Eh bien voilà, tu l'as retrouvé, ton Triboulet. Et en plus, en 1534, il vient d'entrer dans l'histoire et dans la postérité. Les écrivains parlent de lui. Au fait, tu as lu le dernier Rabelais? Pantagruel? Ouais, ça a dû te rendre célèbre. On parle de toi dans ce livre. Oh oui. Oh, folle, fatale, de nature céleste, joviale, mercuriale, lunatique, erratique, excentrique et j'en passe. En attendant, il a fait un tabac à la foire aux livres de Lyon. Et tu sais que depuis Camembert, en 1440, on vend les bouquins comme des petits pains. Camembert. Gutenberg, il veut dire de l'imprimerie, hein, c'était un petit peu... Voilà, hein, mais notez que bientôt, tout sera imprimé en français. Moi, j'aime bien cette époque. Eh ben moi, ça me fait plaisir de le voir comme ça, Triboulet. Elle a raison, Fred. En 1539, François Ier va signer l'ordonnance de Villers-Cotterêts, un texte qui impose l'usage du français dans tous les actes administratifs et juridiques, à la place du latin. Avec cette ordonnance, le français devient donc la langue officielle du royaume et François Ier affirme ainsi son autorité sur le pays et sur l'Église catholique, qui en perd son latin, si j'ose dire, mais qui n'arrivera pas à s'opposer à cette réforme, d'autant que les imprimeurs vont encourager le mouvement. En effet, comme dans la population, il y a plus de personnes qui savent lire le français que le latin, eh bien, il est plus rentable pour eux d'imprimer des livres en français qu'en latin. Du coup, les mathématiciens, les médecins, les historiens, les astronomes, les écrivains, comme Du Bellay, Ronsard, Rabelais ou Montaigne, vont publier leurs ouvrages en français. Bref, François Ier va permettre à la connaissance et à la littérature de se répandre et de rayonner dans tout le pays. La musique et la chanson française vont aussi connaître une véritable renaissance. En effet, grâce à l'imprimerie, les compositeurs peuvent désormais publier leurs partitions et leurs œuvres se jouent et se diffusent partout en Europe. Dis donc, ça t'intéresse pas la mode? Bien sûr que si, pourquoi? Tu n'as pas la barbe. Ah, c'est vrai que j'ai remarqué que tous les hommes qu'on croise ici portent la barbe, toi aussi d'ailleurs. Eh oui, c'est Cousin qui a commencé. C'est le raffinement italien. Oui, d'ailleurs, moi-même, je me laisse pousser la barbe. N'est-ce pas, Triboulet? Eh bien, je vais vous laisser entre fous. Oui. À bientôt. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de barbe? Jamy, ils sont tous devenus fous. Que je vous raconte. Nous sommes en 1521, au mois de janvier. François Ier est à Romorantin. Avec des amis, il est allé tirer les rois chez un voisin, le comte de Saint-Pol. Le hasard faisant les choses, c'est le comte de Saint-Pol qui a la fève et qui est roi. Les convives fêtent dignement l'événement. Seulement, sur le chemin du retour, le roi et ses amis décident pour s'amuser de revenir sur leurs pas. Ils demandent réparation et qu'on leur livre l'usurpateur. Les assiégés ne l'entendent pas de cette oreille. Ils répliquent par des jets de boules de neige. Malheureusement, dans la confusion, un tison incandescent est envoyé sur les assaillants et comble de malchance, il atterrit sur la joue du roi et l'entaille profondément. Eh bien, c'est pour cette raison que François Ier s'est laissé pousser la barbe pour masquer une cicatrice et c'est pour l'imiter que les gentilshommes de l'époque vont en faire autant. À la guerre! À la guerre! C'est toi! Tu brilles! On ne bouge plus! Un petit sourire! Merci beaucoup. Je me zappe. Et voilà, Jamy. Tiens, je t'ai ramené un petit souvenir. Oh, sympa!
Une photo du 16e. Elle dit donc, en tout cas, Léonard de Vinci, le chevalier Bayard et Triboulet dans la même émission. Je suis épuisé, ça m'était jamais arrivé. Ouais, mais ton chevalier Bayard, il a l'air drôlement sympa. Hein. Ouais. T'aurais pas récupéré son adresse? Bah si, t'as de quoi noter? Oui, vas-y. Alors, attends. Je note au dos. Attends, c'est... C'est Bayard, c'est comme chevalier. Mm-hmm. At, oui. Albarde, point, Amboise. C'est bon? C'est bon. Mais dis-moi, c'est une adresse internet, ça? Bah oui. On va pas pouvoir lui écrire. Mais pourquoi? Bah tu le sais très bien, on n'a pas internet ici. Oh, c'est vrai. Hé, hey, les gars, je me demande vraiment qui est le plus fou des deux. Oh, bah c'est lui!